Salut à tous, c'est Static 45, on se prend suite de The Last of Us 2, c'est parti. Donc la France était laissée ici, on doit aller à la marina. Alors niveau armes, celle-là j'ai des armes... Non, j'ai pas les armes incendiaires. On va rester sur celle-là. Niveau pistolet, j'ai plus de munitions. Je vais me créer un medikit. Voilà. Non, on va rester sur celle-là, voilà. Ce fusil fait plus mal que l'autre. Wow. Oh, ah ouais. C'est trop loin. Ah oui. Comment je vais faire? Attends. Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Oula. Fais gaffe. Alors, par là, non. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Non. Il devrait pas finir. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, j'ai fait. Je vais lui prendre des gens. En même temps, c'est sa mère. Peut-être. Elle sait, elle s'en contrefiche. Ça, je prends. Alors, hop. Un nouveau medikit. Comment on fait pour aller à la marina? On dirait qu'on va devoir faire le tour. Par là? Ouais, ça semble bien par là. Par là. Évite au max de me mettre en bras. C'est trop tard. Ah oui, d'accord, elle a coupé. Il donne des munitions. C'est pas mal. Par contre, faut aller où là? Par ici. Ouais, c'est ce que je vois, il faut monter, ouais. Il faut monter, il faut qu'on saute de l'autre côté. Ou peut-être pas. Attends. Je m'en vais. Là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Mmh.
Lara. Ah, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? Ouais. Donc là, on peut monter en haut. Une bouteille. Là, c'est fermé. On va passer par là. Ah, mais c'est vide. À son niveau vie, je suis plein. Ah, il y a une lettre. Alors, Anati U. Or. Ouais, ça veut rien dire. Alors, on retourne. Vicky, sois prudente. Mon bateau a essuyé deux fois des tirs aujourd'hui. Je te conseillerais bien d'emmener le chalutier plus au large. La houle est forte et tu risques de rendre plusieurs fois ton déjeuner. Mais c'est mieux que de se faire buter par un sniper Scar. Il faudrait se battre pour récupérer l'écloserie. On cherche des ennuis à s'aventurer aussi loin en territoire d'Escar. Isaac a perdu la boule ou quoi? Peut-être qu'à la fin de ce service, on devrait demander à se faire réaffecter. Plutôt éplucher toutes les patates du monde plutôt que de me retrouver à nouveau coincé ici. Je t'en prie, fais attention, on se revoit au bercail, Kent. Ok, ça je prends. Il y a une trousse de pharmacie, elle est pleine. Niveau vie, je suis pas plein. Je me suis fait toucher. Ah oui, je me suis fait toucher par l'autre. Par l'autre zombie. Ça, je prends. Il y a encore ça. Ça, maintenant, c'est ouvert. Un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge. Ok. Ok. Ah, j'ai aussi les fléchettes aussi là. Les flèches. Je m'en sers pas beaucoup. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canots. Maintenant. Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Planque-toi! Pas buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils font un max de dégâts. Pourquoi? Faut quoi? Faut avancer, mais je vois. Ça va, où? Allez, allez! Complètement à découvert.
par ici. Oh là! Bah là, il a vraiment une vue dégagée. Ah, je le vois, il est sur le pont. Ok. Ok, ok, ok. Il est... On voit sa lumière là-haut. Ok. Allez, j'y vais. Maintenant, tu peux pas m'avoir là. Ah, t'as longé, toi ? Ok. Ah ouais, mais toi, ils sont combien ? Ah, il a dû bouger. Je sais pas, attends. Donc là, il a tiré une fois. Vas-y, tire. Oh la vache. Ah, il faudrait passer de l'autre côté, mais... C'est peut-être pas la bonne route, ouais. Ah, je sais pas. Hey, par ici. C'est qui a dit par ici, pourquoi? Je sais même pas où mon copain. Cuidado. On peut pas continuer par la rue. Merde. Bon, c'est quoi le plan? On va prendre ça. On va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Ah ouais, peut-être tu dois le traîner. Je le traîne par là, ouais. Chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez, allez. Ça, il est doué. Sans déconner. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu? Manny. Bordel. Merde. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Il est où l'autre? Ah là. Oh là là. Là, en face.
Ah mince. Ah je suis mort, ouais. C'est le sniper qui m'a eu. Le sniper m'a eu, après il y avait un pion qui arrivait, il y avait trop de trucs. Il se faisait trop de trucs et puis le sniper il était... il nous voyait bien découvert. Bon. Dommage que là j'ai pas d'armes. Tout est faible. Après j'ai le lance-flamme. Hein. Laisse-toi. Et moi je suis à côté alors. Ah mais esquive. Oh. Voilà, nom de Dieu. On y va. Ce mec arrêtera pas. Je sais. Faut qu'on atteigne le pont avant qu'il s'échappe. Ouais. Alors là, ils m'ont pris tous mes balles. Hein. Tac, il me reste 4 balles. Aïe 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 aïe. J'ai hâte d'avoir ce type en face de moi. Vas-y. C'est où? Il peut pas être loin. À terre! Et merde! Waouh, 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 t'es mort. Hey! Putain de pisse, c'est moi le temps! Il est juste là! Allez, 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 allez! Surtout, t'arrête pas! Merde, attention! T'es foutu, pendejo!
Ouh, je crois que je l'ai eu, non? Contourne-le! Oh! C'est fini pour toi, putain! Manny. Alors là, il me reste plus qu'une balle. Hein. Il est où? Il est où? Putain, je l'ai pas. Ah, j'ai vu. Et on rentre à la porte. Allez, on prendra le bateau. Par où? Suis-moi. Ils sont où? Il n'y a pas de garde? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Regarde, c'est le bateau de Lev. Il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va?
Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin? De l'autre côté de l'île. Oh, merde. Et si on se fait repérer? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûr que les Wolves vont attaquer cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. En haut. Va réussir à monter? C'est le plus rapide. Ah, est-ce qu'il y a un truc là? Ah, il y a une lettre. Abby, je fais le plein de matos. Juste au cas où. Ah, c'est un manuel. Arme improvisée, tactique, terroriste, manuel pratique. Identifier des jours, déjouer et détruire. Agence fédérale de réponse aux catastrophes. Ouh, ok, ça m'a ouvert ça. Mode d'écoute, vitesse de déplacement. Ça, on peut faire. Ennemi saisi. Ok, ça, je peux pas encore. Documentaliste. Oula! Oh merde. Est-ce que tu le connais? Juste de vue. Je suis désolée. Pour tes amis. C'est comme ça. Alors, dimanche 5h, Scott et moi avons débarqué sur la côte et vers 3h, les renseignements des détenus se sont révélés utiles pour une fois. Aucune résistance directe, à la recherche d'un point élevé pour nous repérer. 7h30, plus grande concentration de structures du côté sud, ferme au nord et à l'est, et ce qui semble être un camp de bûcherons. De plus petits amas de structures parsemant l'île tout en bois. Post-épidémie, ces tarés font pas les choses à moitié pour s'isoler du continent. Prévoyant de nous rapprocher d'un de leurs villages. 10h15. Attendons la tombée de la nuit dans une vieille bâtisse au centre de l'île. Les Scars n'ont pas encore rasé et reconstruit ses acteurs. Potentiellement un bon point de rendez-vous. 21h. Ils sont effroyablement nombreux. Ça dépasse de loin ce qu'on imaginait. Village fortifié, patrouille fréquente et bien régulier. Avons recueilli plus d'informations que prévu. Rebroussons chemin. Lundi 4h. De retour au point de débarquement, avons trouvé notre bateau saboté dans l'océan, complètement détruit. Ils savent que nous sommes là. Devons trouver un autre moyen de quitter l'île. Abby, pourquoi est-ce que tu nous aides? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Alors, niveau vie, Non, je peux même pas construire de la vie. Parce que je dois être à la moitié. Oh, c'est votre village? Non, ça, c'est Even. Le nôtre est plus loin dans les terres. Ne traîne pas. Pour être repéré. C'est notre signal d'alerte. Les Wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. On va passer par le camp des bûcherons. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici? Un millier environ. Et combien de soldats? La moitié d'entre nous est en train de combat. Mais que fera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer? Certains iront se cacher. Mais les autres vont se battre. C'est bon.
ça je prends. Il y a personne ici. Ils sont allés se battre. Ouh, des munitions. Ah vas-y, ramasse. Ça c'est bon. Ça c'est plein. Ah ça y est, je peux en construire. Ah non, je suis blanc. Okay. J'ai toute ma vie. Je sais pas si on peut aller dans cette cabane là. Non. C'est vraiment droit des partout s'il n'y a pas des trucs à prendre. Ah donc là il y a des poules. Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Un truc que mon père disait souvent. Grimper là-haut. Alors ça, je prends arbalète. Des fléchettes. Prenez toutes les armes que vous trouverez. Des fusils, des arcs, n'importe quoi. Et apportez-les dans l'abri. Vite. C'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la scierie. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui. On peut couper par là. Parfait. Viens. Fermez le portail. Verrouillez le camp. Ouais, c'est tous en alerte. Bon, et voilà, ça va faire ce petit let's play sur The Last of Us 2. J'espère que ça a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.